Et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau John Graz pour son nouveau livre À qui irions-nous Bonjour John. Bonjour. Bonjour Yolande. Comment vas-tu Ça va bien, merci. Alors, c'est vrai, John, que c'est la deuxième fois que tu viens sur ce plateau. Oui, oui, oui. Tu es donc, et puis tu es un peu un habitué d'Espoir Média puisque tu enregistres beaucoup d'émissions pour Espoir Média, il est vrai. Mais il y a peut-être encore des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, voilà une brève présentation de qui tu es. Tu es donc suisse, pasteur de formation. Franco-Suisse. Hein, ah, Franco-Suisse, pardon. Oui, si <laughs> D'accord. Ouais, Alors, Franco-Suisse euh, oui, Franco et docteur en Suisse histoire. Suisse d'origine, mais Franco-Suisse. D'accord. Oui. Alors, Suisse d'origine, Franco-Suisse, pasteur de formation et docteur en histoire. Tout le long de ta vie, tu as été orateur dans de nombreuses conférences et tu as écrit un certain nombre de livres. Tu as été et tu es toujours très engagé dans la défense de la liberté religieuse. Et maintenant, tu mets à profit ton statut de retraité ouais. pour te remettre à l'écriture. Et aujourd'hui, si nous allons parler du livre À qui irions-nous? Eh bien, je dois dire que, en même temps, un deuxième livre que tu as écrit vient de paraître et qui est apparu aux éditions Vie et Santé et qui s'appelle Réussir en deux minutes chrono. Donc, deux livres presque coup sur coup. Voilà un auteur qui, qui se justifie par le fait que, ben voilà, tu as du temps et tu, en, tu nous en fais profiter. Pourquoi est-ce tu t es, t as eu comme ça envie de te remettre à écrire J'avais toujours envie, hein. c'est que le problème, c'est toujours, vous savez, on peut avoir envie de faire quelque chose, mais pas d'avoir le temps. Les Alors, mm -hmm. je voyageais énormément et puis j'avais souvent des présentations, des conférences, etc., ça ça ne prêtait pas facilement à l'écriture donc je remettais ou alors j'écrivais en anglais j'écris pas mal de choses en anglais aussi et euh, après il m'a fallu revenir au français c'était un grand plaisir mais je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de vocabulaire alors ça il, il fallait il recommencer mais c'est un plaisir donc il faut avoir le temps il faut avoir les idées et puis, euh, ben, il faut y aller, quoi. Il faut, faut démarrer. À un moment donné, il faut démarrer. Tu vois, à un moment donné, il faut se dire, bon, ben non, je démarre. On verra bien ce que, comment ça se passe, mais je veux démarrer. Aussi, une chose qui est très importante, c'est que comme je présente des méditations, des sermons, des conférences, mm -hmm. j'écris beaucoup pour les présenter. Et alors, j'ai déjà un matériel de base. C'est le cas pour ces deux livres. J'ai un matériel de base qui est là et je vais retravailler ce matériel de base pour, pour essayer faire de faire net. quelque chose qui est plus lisible, etc. Et oui. quand on est un écrivain comme toi, qu'est-ce qu en fait, qu que tu as envie de transmettre à travers ses livres. Ben moi, j'ai toujours envie de transmettre quelque chose. C'est-à-dire que j'écris pas pour écrire. Non, euh, j'imagine bien. Tu as des, des écrivains, tu lis et tu dis c'est magnifique simplement parce que le, le style est beau, le mm -hmm. vocabulaire. Ça, c'est vraiment des écrivains très doués en langage. Mais moi, j'écris pour transmettre quelque chose. En général, je transmets ce que je crois, des expériences, des, des, des histoires que j'ai vécues, euh, et ce que je veux. Je, ce que je souhaite, hein, quand j'écris un livre, c'est qu'à la fin, celui qui a lu, celui ou celle qui a lu le livre, euh, ben ils disent ben je me sens mieux. Euh j'ai été encouragé, ça me donne un peu de fortifiant, de, de courage pour faire face à la vie. Alors quand quelqu'un me dit, par exemple, j'ai lu ton dernier livre ou j'ai lu un livre que tu as écrit il y a quelques années, ça m'a beaucoup encouragé. Ça, pour moi, c'est vraiment le... la meilleure des, des réactions. C'est le but de l'écriture. Que hein, les gens ouais. soient encouragés. D'accord. Oui. Ok. Et puis donc, il y a quelques mois, tu as sorti le livre Fortifie-toi et prends courage. Et là, on a à qui irions-nous Est-ce que à qui irions-nous est le tome 2 de Fortifie-toi et prends courage. Tu vois, on pourrait presque dire ça parce que dans dans la dans la forme, hein, la manière dont les livres se présentent, c'est un peu le, la même chose avec euh, des textes précédés par une histoire. Et puis aussi, c'est c'est très varié. C'est très varié. Alors, je dirais. Euh, oui et non, oui et non. Mm -hmm. Dans la forme, oui. Euh, dans le fond, ben, c'est différent parce que les histoires sont différentes et les thèmes sont différents. Mais euh, le, le titre, tu vois, Qui acquérions-nous, c'est quand même, je pense, la grande question qu'on se pose. Et surtout, on, on arrive dans des périodes électorales, par exemple. Mm -hmm. hein, on mm -hmm. voit les candidats... En tout cas en France. En France, mais ça peut arriver ailleurs, aux mm -hmm. États-Unis, etc., où on voit les candidats qui sont là. Et alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais euh, ce, ce que celui-ci dit, c'est bien, je suis d'accord avec lui, 10%, l'autre 20%, l'autre 30%, et finalement, mais et puis quand on voit les situations du monde actuel, on peut se poser la question, à qui irions-nous Et ça, c'est la question de Pierre. Mm -hmm. hein? C'est quand Jésus dit, qui dit-on que je suis hein? Et Pierre dit, mais eh tu es le Fils de Dieu. À et, qui et Jésus lui dit, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça, etc. Vous connaissez le passage. Et puis à un moment donné, il dit, mais si on ne te suivait pas, à qui irions-nous? Alors, je crois que vraiment, si on enlève le Christ euh, de, de notre vie, il y aura toujours la question, qui est-ce qu'on va suivre, que ce soit une idéologie, une religion, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Mais la question, c'est vraiment à, à qui? qui? À, à qui Oui, à, à qui, c'est quand même une personne. C'est pas à quelle idée, mm -hmm, mm -hmm. mais c'est à qui. Et la réponse, évidemment, la réponse de Pierre. La réponse que Pierre a reçue, c'est que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, hein, c'est hein, le chemin. C'est Jésus-Christ, exactement. Ouais. Effectivement. Ah, ouais. Alors, tu, effectivement, bah, tu as déjà répondu un petit peu à cette question de pourquoi ce titre, hein, de à qui irions-nous Et quand on, y, on, on ouvre le livre, je dois reconnaître avoir été quelque peu surprise par la dédicace. Alors si tu permets, je vais la lire. C'est dédicacé aux femmes qui m'ont encouragée, soutenue, accompagnée, inspirée. Médina, mon épouse, Thérèse, ma maman, Judith et Alice, mes grand-mères, Maggie et Violette, mes tantes, Germaine, Corinne et bien sûr Edith que nous appelions Zouzette. Quand j'ai vu cette dédicace, mon premier réflexe a été de me dire ah ben ce livre va parler de certaines femmes bibliques et puis pas. Alors j'ai besoin de comprendre pourquoi avoir dédicacé ce livre aux femmes qui ont marqué ta vie en fait. Oui ben c'est comme euh, ah c est, c est, disons c'est quand, quand le livre était fini je me suis dit mais j'aimerais le dédicacer Et à qui et j'ai pensé que j'avais jamais dédicacé de livre à, à ma maman à ma mère. J'avais dédicacé un livre à, à ma femme à Médina. Mais aussi jamais à ma tante, ma tante qui avait une de mes tantes qui vraiment du point de vue spirituel a été une mère spirituelle pour moi. Mais je me suis dit, mais aussi mes deux grands-mères, elles ont joué un rôle important. Une était très religieuse, l'autre n'est pas du tout religieuse, okay. hein, mais elle était très encourageante. Et je pense qu'on reçoit beaucoup, on reçoit de ses parents, hein, mais on reçoit beaucoup des femmes qui nous ont côtoyées, qui nous ont aidées à grandir parce qu'elles étaient souvent le dernier refuge. Et alors, je me suis dit, mais voilà, je ne vais pas en éliminer une parce que toutes à leur manière, elles m'ont apporté quelque chose. D'accord. Certaines avaient le don de, de soutenir, d'encourager d'autres avaient le don d'aider, etc. Mais toutes vraiment. Ont, ont joué un rôle important dans ma vie. celle qui t'accompagne, justement, depuis bien longtemps. Et, Silke, bien sûr, <laughs> Médina, et, et là aussi, et, tu vois, et quand là, on dédicace un, un livre ou quand on fait un livre, on pense pas nécessairement. On pense à, à peut-être aux professeurs qu'on a eu on mm -hmm. pense, etc. Et puis, je me suis dit, mais il y a aussi des gens qui ont joué un rôle très important. Et en fin de compte, c'est un rôle essentiel. Mm -hmm. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai Que serions-nous toutes minutes. ces personnes un petit peu anonymes hein, autour de nous et qui, qui oui, font qu'on exactement, exactement. Qu est les personnes que nous sommes hein. Oui, tout à fait. Mm -hmm. tout à fait. Alors, c'est ce que j'ai voulu, d'une sorte d'hommage aux femmes qui m'ont aidé dans ma vie. Alors, évidemment, ma mère, ma grand-mère, etc. Okay. <laughs> Merci, en tout cas, de cet éclaircissement qui m'a un peu interpellé. la plupart d'entre elles, ben, elles, elles oui. ne verront pas mm -hmm. la dédicace. Voilà. Mais voilà, Mais il voilà, y a une phrase belle qu quelque part. Oui, oui, oui. oui. Ah, oui. <laughs> Ce livre, à qui irions-nous, est construit un petit peu comme Fortifie-toi et prends courage, hein, donc qui est paru il y a quelques mois. Alors, dans Fortifie-toi et prends courage, tu avais choisi à chaque fois un personnage qui accompagnait chaque chapitre. Il y avait aussi 15 chapitres et euh, les chapitres étant construits tous la même chose, c'est-à-dire avec un thème, une petite lecture, une histoire et puis à la fin, pour être pratique, et un petit verset à méditer. Dans ce livre, on retrouve la même structure. Et j'avais envie de te demander parce que chaque chapitre commence en fait avec une histoire. Alors d'abord, est-ce que c'est des histoires vraies toutes ben, C'est pas toujours. Hein, c'est parfois des paraboles. Hein, je le dis d'ailleurs. Généralement, il faut pas prendre ça, sauf quand il s'agit d'une expérience personnelle que tu as faite. Oui. personnelle. Ça, mais on voit très bien en lisant si c'est une parabole ou si c'est une histoire vraie Mais pourquoi avoir mis comme ça des histoires au début de chaque chapitre? Ben, au départ c'était parce que tu sais quand on lit un livre, on ne sait pas si on va le lire jusqu'au bout, hein. mm -hmm. euh, on a besoin d'être accroché et une histoire c'est généralement ce qui accroche le plus. Alors, on alors et puis je me suis dit, par exemple, quelqu'un ouvre le livre, il commence par le, le verset biblique, bon, après il a l'histoire. Il lit l'histoire, il n'a pas beaucoup de temps, il va pas lire euh, tout le chapitre, mais il a lu l'histoire. Et l'histoire, c'est déjà, c'est déjà en soi un message. Donc, on pourrait s'arrêter aux histoires et puis déjà avoir reçu un message. Et après aussi, l'histoire donne envie de continuer. Mm -hmm. Et absolument. le texte est très facile à lire, oui. il est découpé en paragraphes, c'est-à-dire qu'on peut. C'est jamais très long. C'est jamais très long. C'est voilà. un, et un pratique. style simple, facile effectivement, comme tu le dis, et les, les chapitres ne se suivent pas. Donc oui. on peut prendre un chapitre si est on varié, texte, dans cette semaine, voilà. est C'est très varié, Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de se dire, tiens, il faut que je continue absolument, parce que non, parce que le, le prochain, c'est quelque chose de, de différent. Oui, tout à fait. Et, et alors j'ai mélangé. Tu vois, je n'ai pas voulu rester simplement par des hommes ou par euh, des apôtres, etc. J'ai voulu cette fois mélanger. Ouais. Cette, Mais on ça va donne y venir. Beaucoup de variété donc à la lecture. Effectivement, parce que là, en fait, les trois premiers chapitres, c'est des personnages. Hein, il y a euh, Jean, Saul et Étienne et Salomon. Pourquoi avoir pris ces trois personnages spécifiquement, en fait Ben, c'est des personnages qui m'ont inspiré. Tu vois, c est, c est, tu, tu lis la Bible quand je lis la Bible, par exemple, c'est ce que je fais, je lis ma Bible et puis je trouve. Quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Ça, je l'avais pas vu. Alors, c'est souvent que ça arrive. Je dis, mais ça, je n'avais pas noté. Ah, mot, de je de là. D'accord. Alors, ça peut venir, tu vois, par exemple, sur un mot. En ce moment, je, je reprends la, la, la lecture de l'évangile, de deux évangiles, et puis j'ai recherché premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, euh, je l'ai lu des centaines et des centaines de fois, ce verset. Mm -hmm. Mais soudain, je me dis, mais pourquoi premièrement? <laughs> Et puis après, je continue et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais pourquoi Jésus ajoute ça Alors voilà, ça vient comme ça. Alors si par exemple, je prends ce texte-là, il ben, n'y a aucun personnage. Les personnages vont rentrer dans le texte, mais c'est l'idée. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça Pourquoi, mm -hmm. premièrement, et pourquoi le royaume des cieux Et pourquoi surtout, toutes les autres choses vous seront données par-dessus Pourquoi donner par-dessus pourquoi il, il, ça suffisait mm -hmm. que il cherchait premier premièrement le, le royaume, royaume des, des cieux, cieux pour la ligne terminée oui, Pourquoi il, ce retour à toutes les autres mmh, choses Alors quelles sont les autres choses ah. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça. D'accord. Puis des fois il y a des personnages, tu vois. J'avais écrit un précédent livre qui s'appelait Le chemin de l'éternité. Euh, et moi, j'aimais beaucoup ce livre. C'était un peu comme celui-là, mais il n'avait pas la même construction. Et il y avait des personnages où tu rentres dans un personnage, et c'est extraordinaire. Tu rentres dans le personnage de David, dans le conflit avec son fils Absalom, et c'est extraordinaire. Tu pourrais écrire justement, tout un livre là-dessus. Quand on lit un livre, je trouve que c'est surtout un livre un peu spirituel. Alors, j'apprécie le, le style de l'écriture mais il faut qu'il me parle à moi qui vis aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, est-ce que quand on lit ben, « Tu parlais de David » ou bien comme dans ce livre, il y a l'histoire de Salomon, bien de Saul et Étienne, est-ce que ces personnages peuvent me parler à moi qui vis aujourd'hui en 2022 mais bien sûr, ces personnages, y parleront tant qu'il y aura des êtres humains sur la Terre, et nous parleront parce que ces personnages vont, doivent faire face à des situations qui sont des situations humaines. Mm -hmm. hein, tu vois, le, la trahison de, du fils euh, David, euh, trahi par son fils Absalom, c'est des, des, des problèmes de famille. Ensuite, tu vois, Salomon, par exemple, tu as un autre problème. Salomon est le pouvoir, c'est le problème du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a... donc, mm -hmm. donc, on arrive toujours, alors on commence par cette histoire, et puis après on arrive toujours à notre euh, application personnelle. Et même quand tu lis un livre, souvent tu sais, tu, c'est très difficile quand tu lis un livre d'être complètement détaché de ce que tu lis. Même si c'est un roman, euh, oui, tu, lis oui, romans, tu lis des romans, euh, tu le lis, et puis tu penses. En général, tu essaies toujours de te raccrocher. Tiens, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Exactement. Des biographies, c'est pareil. Tu lis une biographie, donc c'est pareil. De ce, dans ce cas, il y a plein de, de moments où tu peux faire des ponts avec ta propre vie. Et des fois, je les, je les construis moi-même. Je les mentionne ces ponts. Voilà. Et puis pour, nous, etc. pour chaque toi. chapitre. Alors, il y a effectivement les moments où tu dis pour nous. Et puis la fin de chaque chapitre, j'aime beaucoup. Il y a la, la rubrique pour être pratique. Et il y a en général trois, ça peut être des questions ou bien des, des, des phrases à réfléchir pour notre vie d'aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus parce que juste lire un livre théorique, ça suffit pas. Je trouve ouais. qu'il faut que ça nous apporte aussi, que ça nous nourrisse pour notre, notre vie spirituelle, finalement. Tout à fait. Alors le pour être pratique, toi, ça rassemble un peu euh, ce qu'on qu reçoit de, du texte qu'on a lu. Et ça nous permet en trois questions de, de revenir sur le texte et d'essayer alors maintenant de le... Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie pratique voilà. aujourd'hui, etc. Ouais. Et quand tu, justement, quand tu ne parles pas de personnages, en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de sujets peut-être un peu plus généraux et qui touchent la, la vie spirituelle euh, des personnes. Tu parles, par exemple, des miracles, de la foi, de la tolérance, des promesses, de la compassion, du témoignage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tous ces dans tous ces thèmes? Pas vraiment, si tu veux, pas vraiment au sens d'une histoire qui commence voilà, à A, qui se termine à B ou à C. Mais tu vois, par exemple, tu prends le, tu prends le cas de la compassion. C'est aussi quelque chose. Hein, J'ai souvent pensé, Jésus qui, il y a la foule devant lui, il fait des grandes choses et tout. Et puis, il se dit à un moment donné, quand il voit cette foule, euh, mais est-ce qu'ils ont à manger Ça, ça c'est extraordinaire. Mm -hmm. euh, moi, j'ai prêché le privilège de prêcher dans des stades, etc. Mais je me suis dit, mais combien de fois je me suis posé la question Est-ce qu'ils ont assez à manger mm -hmm. Non, je ne me suis pas posé la question. Et pourquoi lui se pose cette, il pose cette question, question hein, Ça, c'est fantastique. Il se pose la question. Il voit tous les gens, il est célèbre, il a fait des choses extraordinaires. Mais mm -hmm. souvent, il se dit, mais... Ces gens-là, ils sont venus de loin, mais est-ce qu'ils vont avoir assez à manger mmh. Alors évidemment, à partir de là, tu te dis mais c'est absolument, c'est juste derrière un mot. Toi, il y a une compassion dans le Christ qui est fabuleux de, de s'occuper, de penser à cette toute petite chose qui finalement, lui, il a fait. Il va faire son discours, les gens vont trouver ça extraordinaire et tout, il va partir, c'est un peu ce qu'on faisait, tu on vient, on fait un discours, après, les on gens est content, part. on voit les gens qui sourient, tout le monde sourit, on est content, ça va bien marcher, Allez, on... et puis on part, on est content, mais on part vite parce qu'évidemment, on ne peut il pas faut rester. En... On et puis Jésus se pose, Jésus se la, pose question, la question, hein. ouais, est-ce est qu est qu'ils ont mangé à leur faim Je me souviens comme en Angola, par exemple, on a rempli le stade et quand vous voyais la circulation, il y avait un trafic tellement énorme et vous voyez les conditions de vie de certains et qui sont venus en costume et tout. Euh, je pense que j'aurais peut-être dû me poser la question est-ce qu'ils ont mangé à midi. Mm -hmm. Mais tu vois, euh, on est pris par les événements. Mais lui, ça. tu vois, c'est ce qu'il a pensé. Jésus pose la question. Ouais, est-ce est qu'ils ont suffisamment à... Est-ce qu'ils est ont C'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. impressionnant. Alors c'est des petits détails comme ça qui 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 expriment la qualité d'une personne. Mm -hmm. Tout à fait. Parce que probablement, il y a des tas de choses qui devaient se passer et il aurait pu dire Je n'ai pas le temps, mais on, on doit faire ça. Demain, on doit aller là. Ce soir, on doit partir ici. Donc, ça, c'est leur problème. Mm -hmm. Et comme les apôtres ont dit Mais écoute, ce n'est pas, pas notre problème. Hein? Mm -hmm. pas, ils viennent, c'est à eux de gérer cette affaire. Non, non, ils s'inquiètent ouais, pour savoir s'ils ont suffisamment. C'était la dire. force du Christ et, et une autre des forces du Christ, ça a été les miracles. Ouais, le les Christ miracles. a fait énormément de miracles dans sa vie. Quand il était sur Terre, euh, le nombre de gens qui ont été guéris, le nombre de, de, de vies transformées. Il y a un chapitre sur les miracles, mais justement, si j'essaie de nouveau de me transposer au 21e siècle, est-ce qu'on peut parler de miracles encore aujourd'hui Est-ce qu'il y en a Je veux dire, on a aujourd'hui des hôpitaux, on a des, des médecins ouais. très bien formés qui vont nous soigner. Et ceci, tous les, les miracles Et puis en plus, je trouve que c'est un sujet un petit peu, des fois, tendancieux, parce qu'il y en a qui ont tendance à voir. Des, des miracles, miracles partout. partout. Ouais. Et puis, il y a ceux qui disent non, 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 ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est ouais. juste que bah, ma foi, tu es tombé au bon moment. Enfin, voilà, je trouve que c'est un sujet pas forcément évident à Oui, tu à vois, il y a une citation d'Einstein hein, qui dit que, justement, euh, quand il y a des miracles, enfin, quand on peut voir ou on peut ne pas voir des miracles, mais il y a des miracles, Et il vaut mieux voir les miracles que pas les voir. Mm -hmm. Non, moi, je crois que, tu vois, les, les miracles, c'est un peu, c'est un a priori. À mon avis, c'est un a priori. C'est-à-dire, là où je vais voir un miracle, un autre ne verra pas un miracle. Oui, mais une comme c'est dans la vie de Jésus, par exemple, un malade guéri, c'est un miracle qu'on ne peut pas dire, on ne l'a pas vu. Oui. Alors il y a des miracles. Là, 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 là on pourrait. C est, c est... Enfin, là, parfois, mais j'ai un peu l'esprit critique. Parfois, <laughs> tu vois? Je me dis, c'est extraordinaire tous ces miracles. Moi, je ne les remets pas en question. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui rentrait dans une grande salle où on fait des miracles, qui avait plus qu'une jambe et qui ressortait avec les deux jambes, par exemple. C'est ça. J'aimerais bien qu'un jour on me dise, parce que. La... Alors, il y a toujours dans le miracle, il y a une intervention de Dieu, il y a des choses. Et puis, je crois qu'il ne faut pas toujours chercher à, à comprendre. Pour celui qui a la foi ou celle qui a, ouais, nous, on a la foi, on ne va pas toujours recouper les choses. On le prend. Et ceux qui ne croient pas au miracle, eh bien, qui ne croient pas au miracle, ils trouveront toujours des explications mmh, mmh. pour dire que c'était pas un miracle. Mais moi, je le reçois comme un miracle, c'est-à-dire comme une intervention de Dieu, et ça me satisfait. Alors, je raconte une expérience personnelle, hein l'expérience de la prière aussi dans l'avion où je prie et l'avion s'arrête et puis on me rapporte la carte verte oui. que j'avais perdue pour moi ça c'est un miracle. un miracle mais bon quelqu'un mais... va dire c'est un concours de circonstances il a le droit il mais a moi, le droit tout je, à fait je, je, je serais toi je serais vraiment ce serait vraiment dommage que je me prive de de cette expérience en disant là c'est un miracle merci Seigneur sans en faire une sorte de loi. Il y a des miracles partout mmh, et puis mmh. les imposer et tout. Mais je crois que ça, c'est important de voir aussi. Il y a des miracles extraordinaires euh, autour de nous. Euh, Peut-être qu'un jour, on comprendra que, par exemple, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, qui ne se passent pas, mais qui auraient pu se passer et détruire notre et vie, détruire notre mais qui vie. ne se tout sont pas passées ouais. pour des petits hasards et tout. Alors, quelqu'un dira, ça, c'est la chance mmh. ou ce pas de chance. Et moi, je préfère dire que c'est un miracle. Ouais. En tous les cas, je préfère dire que il y a quelque chose de Dieu derrière. Oui, et puis il y a cette phrase du Christ, de toute façon, qui dit que c'est pas les miracles qui vont faire que les gens vont se convertir. Hein? On peut voir les, les plus belles choses extraordinaires se passer c'est pas feront ça des qui... miracles hein. ils feront des miracles en mon nom voilà mais c'est pas ça qui va amener la foi forcément chez les gens Absolument. alors on est impressionné oui et, et c'est des fois ce qu'on attend hein et puis des fois on rêve au miracle quand on a une personne très malade quand on a quelque chose comme ça on rêve au miracle ouais, et ouais. on aimerait que ça arrive ouais, ouais. mais voilà la vie n'est pas faite de que de miracles comme ça mais c'est vrai qu'on a aussi plein de petits miracles dans nos vies tous les jours il faut exemple... être prêt à les voir la libération de, de l'esclavage en Égypte, traversée de la, ah oui. de la mer Rouge et tout. Et les gens, après, ils remettent tout en question. Exactement. Pourtant, ils ont traversé la Exactement. mer Rouge et après, ils veulent retourner en Égypte. Donc, c'est vrai, on a cette liberté. C'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est que Dieu nous a créés avec une telle liberté qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire, mmh, mmh. d'être de, placé devant un miracle exceptionnel, extraordinaire et de dire non, je n'y crois pas. Exactement. Ça. Ouais. Mais justement, quand tu nous parles, là, dans ce livre, je trouve qu'il est magnifique, justement, il est porteur d'espoir, porteur de bonnes nouvelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive encore à dire que la Bible est une bonne nouvelle Là encore, arrive? tu vois, ça dépend comment on la lit, hein, la Bible. Parce que moi, moi, quand je lis ma Bible, moi, c'est une bonne nouvelle, mais je, mm -hmm. je vois des commentaires, je vois la manière dont les gens, dans des débats et autres, quand ils citent la Bible ne euh, cite pas les bonnes nouvelles en général. On voit tout ce qui, toutes <laughs> les contradictions, tout ce qui ne va, va pas, etc. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais je prétends pas qu'elle est une bonne nouvelle pour, pour tous. C'est-à-dire que ceux qui la reçoivent, euh, elle est un peu comme la goutte d'eau qui tombe. Euh, la goutte d'eau qui tombe dans un dans le lac, ça fait pas grand chose. Et qui tombe quand il pleut, ça fait pas grand chose. Mais une goutte d'eau qui tombe à l'endroit même où la sécheresse commence, c'est énorme. Alors mmh. c'est ça. Ça me touche beaucoup là ça. ce que tu dis parce qu'effectivement, je crois que voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour celui qui la prend comme une bonne nouvelle. Et c'est pas forcément le Et cas oui, pour tout, tout le monde. Et je crois que là, c'est dans le respect de la liberté de l'autre que, euh, que nous devons avancer. C'est sûr, fait. il y aura toujours des questions. Tu comprends Il y aura toujours des questions. Jusqu'à la fin, on va, on va vivre avec des questions. On aura la réponse. Mm -hmm. Parce qu'il faut toujours se dire qu'on a une, une portion très limitée de, de la vie. Notre vision, elle est très limitée. On ne voit pas l'avenir. Mmh. Hein, on voit le passé, mais on ne voit pas l'avenir. Et tant qu'on ne voit pas l'avenir jusqu'au bout, c'est très difficile d'interpréter le passé. Mmh, mmh. Alors c'est pour ça que à la foi, comme tu l'as dit, la foi la foi au miracle et tout, ben, eh bien, ça, ça nous aide à voir l'avenir. Mais alors du coup, nous, en tant que chrétiens, on a un petit peu un rôle à, à jouer en voulant peut-être faire connaître cette bonne nouvelle en voulant la transmettre un peu comme toi tu le fais dans ce livre en fait. Oui, oui, moi je crois que c'est ça. De euh, toute façon, Jésus le dit, tu vois, quand on a, on, a, on a eu un débat sur le prosélytisme et la liberté, etc., c'est très difficile. Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Donc c'est vrai, on a à transmettre, mais on a à transmettre tout en sachant, sachant que tout le monde n'acceptera pas, hein, que tout le monde ne comprendra pas. Qu'on fera même des erreurs en transmettant mm -hmm. et que, etc etc il y a, il y a tout ça hein. toute l'imperfection euh, qui est sur nous mais oui mais Dieu vrai, nous on confie a à quand même cette mission on a à transmettre et puis aussi moi je crois qu'il faut pas faut pas dire on ne peut que transmettre de cette manière il y a mille façons de transmettre il y a des gens qui n'ont peut-être jamais rien dit et qui ont transmis par leur exemple etc un, Absol un message, un message incroyable absolument Donc, mm -hmm. ouais. Le temps passe vite, parce qu'on pourrait Merci rester Yolande. là encore euh, longtemps à parler, mais j'ai toujours ma, ma dernière question un peu traditionnelle, ah oui. c'est pourquoi lire ton livre Pourquoi lire <laughs> Pourquoi lire ton livre Pourquoi l'acheter la et le lire, que en fois, fait Je t'avais dit, bah, parce que ça me fera plaisir, etc., <laughs> mais, et ça te fera plaisir aussi à toi qui, qui fait la promotion des livres moi, je crois que on, ce, ce livre apporte une, de manière très simple, il apporte quand même une connaissance. Il y a, il y a, il y a la connaissance de, de l'époque quand on lit sur Jésus, etc. Mm -hmm. Je toujours respecte le contexte. Hein, on apprend quelque chose. Donc, on va apprendre quelque chose et on va être aussi enrichi, à mon avis, par, par ce, ce qui est très stimulant, par la réponse euh, de l'évangile, la réponse du Seigneur. La réponse de la Bible aux questions qu'on se pose, à travers des histoires, à travers des thèmes, et cette, cette réponse, elle est toujours très positive, elle est toujours très encourageante. Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup, John, hein, de d'être venu, d'avoir pris Yolanda. déjà de ton temps, d'être venu <laughs> nous présenter ton dernier livre. À qui irions-nous Et je ne veux pas laisser de côté l'autre qui est réussir en deux minutes chrono. Alors. Ce livre est donc paru aux éditions Palanquet en fin d'année 2021. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, en Suisse. Vous avez l'adresse du site web en bas de l'écran. Et en France, eh bien, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci vraiment, John, d'être venu nous... Encore un peu d'être là pour <laughs> présenter ce livre sur le studio, sur le plateau d'Espoir Média. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Et puis, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker en appuyant sur le pouce qui apparaît en bas de l'écran. Et n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission lire des livres sur Espoir Média. À bientôt.